Bonjour, planteurs, boudins créoles, flancs de coco, mais aussi percussions et chants de Noël, l'association Biggin et Zoukanou organisait le 13 décembre à Ancenis son premier concert de Noël, ambiance festive et chaleureuse à la salle du Bois Jauni à Ancenis. En fait, au début, c'était juste pour partager la culture antillaise aux gens du coin. Et on a constaté que les gens ils demandaient un peu plus, donc on est parti avec des stages d'abord, ensuite des cours de percussion, et puis là maintenant on est un peu plus développé, on donne des cours de Biggin, de Sega, de Maloya qui vient de l'océan Indien, voilà. Oui, Réunion, oui, et aussi le dancehall qui vient des Antilles anglophones, donc la Jamaïque et tout ça. Et la Biggin, qui est la danse traditionnelle de la Martinique, ainsi que le ballet, qui se danse sur la percussion, qui est de la Martinique, et le groka, qui vient de la Guadeloupe. Effectivement, ce soir, c'est notre première fois à faire un chanté Noël. Ça existe déjà sur Nantes avec Métis à Nantes. Exactement, ils ont eu leur part vendredi dernier et nous on s'est dit pourquoi pas en faire un sur Ancenis, faire découvrir aux gens le chanté Noël des Antilles et puis comment ça se passe par chez nous. Que ce sont nos cantiques créoles, donc aux Antilles dès le 1er décembre, dans tous les quartiers, il y a ces chantés Noël. Donc soit c'est organisé, c'est un groupe qui est sur un podium et puis il y a tout le public, les gens avec leurs cantiques. Ou sur les îles anglophones, par contre, c'est les petits groupes qui se déplacent chez les gens. Donc, on dort tranquillement et puis d'un coup, à 1h, 2h du matin, on entend chanter sur son balcon. Et bien sûr, ben là, les gens, ils chantent. Tant qu'ils n'ont pas à boire et à manger, ils ne partent pas. Donc ça, ça dure du 1er décembre jusqu'au 25, il y a ces chantés Noël. Ensuite, on fait la fête du 25 au 1er. Et dès que le 1er est terminé, le 2, on démarre le carnaval, très festif. Et la soirée, bien sûr, s'est conclue avec un bal. Si vous aussi avez envie de vous tester à la Biggin ou aux percussions, eh bien, prenez papier et crayon, écoutez bien la souriante Jacqueline. Bien sûr, il y a la possibilité soit d'aller sur notre page Facebook, donc Biggin et Zoukanou sur Facebook. Notre adresse email, c'est bigginezoukanou@sfr.fr. Et puis sinon, ben, vous laissez un email et puis vous trouverez toutes les coordonnées pour nous rencontrer. Donc, les cours de percussion ont lieu le lundi soir à 18h45 au relais des postes sur Ancenis. Le jeudi soir, il y a le cours de Sega qui a lieu ici au Bois Jauni, donc à 19h. Un samedi par mois, il y a le cours de dancehall. Et puis deux dimanches par mois, nous proposons des stages, qu'importe, aux abattoirs, c'est les thèmes. Donc ça peut être Kizumba, ça peut être Zouk, ça peut être Soka, ça varie.